Cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, c'est Halloween pour les deux Saint-Paul. La maison a revêtu quelques étranges habits, hein, surtout orange et citrouillon. C'est Halloween pour les petits et les grands. D'accord, c'est à peine le matin, on a Geneviève qui est déjà en train de squatter. <laughs> la baraque en train de s'enjailler sur la musique. ça va les filles sont seulement en train de petit déj quoi. La fiesta c'est ce soir Geneviève, pas tout de suite hein. Ah oui, ce soir on va faire une fête pour toute la famille et pour se déguiser puisque bien sûr c'est Halloween. Donc on est presque raccord avec la réalité donc c'est vraiment très très cool. Et puis on, on va essayer de caser notre chère héritière Esther, qu'est-ce qui se passe oui non bah non pas du tout non alors Esther est-ce que ton super pote qui s'appelle Alexander est toujours adolescent mais il devrait pas tarder à devenir jeune adulte et tu pourras lui sauter dessus bien sûr Esther fait pas un peu froid pour aller faire de la un petit peu de nage quand même c'est je trouve que oui bah c'est un peu frais quand même on est fin octobre tu fais un peu peur. Oh, il y a des, même des flaques euh, qui viennent au-dessus. C'est très logique, tout ça. Tiens, au lieu d'aller euh, nager, là, tu vas t'occuper du jardin, ton faire, Tu vas tout vendre euh, et tu vas aussi euh, arroser. Alors, euh, non, on peut pas arroser. C'est leur couleur normale. Je pensais vraiment pas que c'était leur couleur normale. Tu vas désherber aussi. Voilà. Je pense que, comme d'hab, il y a pas mal de choses à faire. Et après, il faudra aller voir les petites abeilles de notre cœur. Du coup, j'ai mis la petite Anaïs à la confection de petites citrouilles pour... Bon, on met encore quelques-unes dans la maison, parce les deux Saint-Paul trouvent qu'il n'y en a pas encore assez et qu'il faut bien effrayer nos futurs invités de ce soir. Donc, elle est en train d'en fabriquer tranquillement, dehors, alors que les feuilles tombent joliment comme ça sur le jardin. Oh, c'est sympathique, c'est l'automne, quoi. Et elle là-bas en maillot de bain, en train de faire les, les plantes, du grand n'importe quoi. Ouh Ouh, Elijah qui demande en rencard, la belle Eva. Je vais annuler parce qu'on va l'inviter ce soir. Donc, euh, il, sera, il fera partie de la, de la fête, mais euh, c'est cool. Ça veut dire que ça avance un petit peu. Entre bah, disons qu'ils sont déjà. Enfin, c'est pas que ça avance, c'est qu'ils sont déjà en couple de toute façon. Hein, on est bien d'accord. Oui, ils sont petits amis, donc euh, tout va bien. Ouh là là. Ouh là là, elle a pas l'air très contente, là, Eva. Qu'est-ce que tu m'as fait dire, non au rencard euh Oh, ma petite Eva, elle se remet un peu à la guitare. C'est mignon tout ça. Oh, et puis ça continue de pleuvoir dehors, les longues. Bon, il se fait 17h30, je pense qu'on va commencer à faire la, la petite Numba. Alors, petite nouveauté, hein. Ah oh, oui, il est devenu vieux quand même, Lionel. Donc, euh, il, a, il doit porter des lunettes. Voilà, c'est ça, c'est le grand âge qui fait ça. C'est vrai que euh, j'ai oublié de décorer la maison. Voilà, nous sommes vraiment aux couleurs de Halloween. Donc, c'est très, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'elles font elles font des bêtises, les deux, là Oh là là, n'importe quoi Allez, on va commencer à faire, eh bien, euh, la fiesta, et inviter tout le monde, n'est-ce pas, Hélène Hélène Oui. Bon, bah, Hélène, elle va inviter, euh, elle va inviter tout le monde. Allez Eh bien, c'est parti pour la fête Oh Oh, mais bah, c'est tout défait Oh, attendez, attendez, parce que là, la, la dernière fois qu'on avait fait un, un déguisement... Euh, C'était la moitié de la maison, était habillée en lama. Là, c'est des fées. Oh Esther, tu es belle, mais bon, t'as la même couleur que ta soeur. Là, ça va pas m'aider parce que déjà, je commence à vous confondre. Et maman, elle est en fait, mais en bleu. Oh, c'est trop mignon. <laughs> On a euh, Anaïs qui est en petite euh, femme de... Voilà, femme de ménage. Oh non Le lama Le lama maudit. Donc je pense que c'est Lionel. Et, et Laura, elle est comme ça. Alors. Apparemment, hein, je m'étais plantée la dernière fois. Euh... Alors, porter un déguisement. Donc, ah euh, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Porter un déguisement. Livreur de pizza, Luke Skywalker, domestique, Dark Vador, Dark Maul, Boba Fett. Je sais même pas ce que c'est. Astronaute, trafiquant, Ranger de l'espace, Pom Pom Boy. Oh oui, oh oui, Pom Pom Boy. Fais-moi. Oh, c'est ça, Pom Pom Boy. Oh, c'est pas très effrayant. Tu vas m'en mettre un autre. C'est pas grave. Euh, tu, oh, bah, L'astronaute Voilà, super, on te voit quand même euh, Je suis désolée mais y a... Alors, Vu que ma petite Esther étant euh, l'héritière Je vais donc changer La tenue d'Eva je... Je... Comme méchante, allez, tu vas devenir une méchante Qu'est-ce que c'est méchante D'accord, bon écoutez euh, C'est super, regardez qui est Invité, c'est notre défi National Et oui, il est vieux et oui, ça y est, il est vieux, il est habillé en... Bah, écoutez, je ne sais pas. Mais euh, il est habillé, c'est déjà pas mal. Alors, attendez, qui c'est qui vient là C'est qui ça, Dark Mole Ah, c'est Raphaël bah, Alors, Raphaël est devenu vieux aussi entre-temps. Hein, euh, Raphaël étant l'ex d'Hélène, et donc le père d'Eva et Esther. Et nous avons un lama ici, qui est Nadine, donc notre chère sœur... Qui a aussi fait crac-crac avec euh, le petit Raphaël. C'est très bien. Et on va commencer, bien sûr, à accueillir un peu tout le monde. Alors, j'ai mis Esther aussi euh, en tant qu'organisatrice de la, de la soirée. Donc, tu vas pouvoir euh, te présenter à Petit Daichi National, tant qu'à faire. Euh, et puis, on va commencer aussi à. Ah, pardon à Accueillir les invités. Ah, Chantal est devenue vieille et c'est une livreuse de pizza. Voilà, voilà. C'est très effrayant ça, effectivement, hein, Chantal. Qui c'est qui arrive Qu'est-ce que c'est que ça Oh mon Dieu C'est les nouveaux costumes qu'on a eu avec la dernière mise à jour. Et c'est Émilie Fitoussi. Très bien. Ben, tu vas la remercier aussi d'être venue. Ici nous avons Samuel qui est en ninja. Samuel c'est le mari de Geneviève. Ah, tiens, c'est Lionel qui va lui souhaiter la bienvenue. Ah ben en plus tu le connais pas, donc discuter du costume. Et normalement, je pense qu'on sait assez bien pour l'instant. Euh, je n'avais pas la possibilité d'inviter les autres, euh, comme euh, ce cher Elijah ou Alexander. Donc, en fait, les filles vont les inviter en plus. Alors, regardez, Daishinou, il est enfin venu à un événement parce que c'est pas la première fois qu'on l'invite, mais il est jamais venu, donc c'est idiot. Donc euh, voilà, il à la journée. Qu'est-ce que tu as appris sur lui donc il est bien marié à Chloé Okada. Oh bah oui, c'est Daichi, euh, voilà. Mais c'est bien, voilà. Une connaissance de plus. Oh Chantal Chantal Qu'est-ce que tu, tu fous à poil Oh mon dieu. Ça devient un grand porte-quoi, cette, cette maison-là. Oh. Voilà Voilà, voilà, notre Geneviève qui, n qui est de, pour l'occasion, est devenue chauve. Elle s'est rasée la tête, pour au moins, c'est effrayant. C'est sûr de te voir les crânes rasés, oh. ma petite. Voilà Oh non, mais t'es nul, Anaïs. Pourquoi tu t'es changé Qu'est-ce que t'as fait Porte un déguisement. Allez, tu vas faire la pom-pom girl pour le du coup, hein, ce coup-ci. Vas-y, montre-nous. Mais attends, attends. Mais t'es en collant Quoi Mais c'est pas une pom-pom girl, ça Oh là là, moi je comprends pas. Il se passe des trucs très chelous, je vous dis, dans cette maison. Oh là 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 là, ça ne va plus. Ah, au moins tout le monde commence à s'asseoir autour de, de euh, notre table parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, une petite photo selfie avec Hélène et Lionel qui sont eh bien euh, magnifiques hein, comme vous pouvez le voir. Des photos souvenirs pour cette soirée. Et là, c'est encore plus beau. Regardez mes deux belles blondes. Aïe, aïe 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 avec leur maquillage et tout. Oh non, elles sont trop belles. C'est typiquement le genre d'ambiance que j'aime bien, quoi. Ça danse, ça, ça. Oh Mais c'est pas la soirée tout nue, là Samuel Mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi ils ont envie de. Oh Oh, ce bug général, c'était magnifique euh, C'est pas une soirée tout nue qu'on a demandé, là, les enfants y a, y a... Pourquoi ils se avaient envie de se mettre tous nus comme ça C'est, Il y, y a un truc qui est, qui est très bizarre, quand même. Ah, Elijah est arrivé, tu vas exprimer ton admiration, oui, tu vas lui faire des papouilles, parce que quand même, euh, c'est quand même sympathique de le voir, tu vois, voilà, voilà, il est arrivé, et Alexander, normalement, aussi, mais là, euh, je sais pas, euh, des fois, il y a les, les PNJ qui arrivent, des fois, ils n'arrivent pas, euh, je ne l'ai pas vu arriver, en tout cas, il n'est pas rentré dans la maison, donc, je... comme il pleut, faudrait il faudrait qu'il se dépêche d'arriver, le petit Ouh là là, c'est la mûre C'est la mure. Eva et Elijah. C'est la mure fû. Ah oh là là. J'espère qu'ils nous feront des beaux petits enfants, ceux-là. C'est quoi cette tête, c'est Eva Ah, voilà, j'allais dire. Et là Est-ce qu'il dit oui Yes C'est un succès Eva et Elijah C'est bon ils vont se marier, ah oh bah oui quand même, hein. il faut bien, voilà, oh, il faut bien fait, au moins faire ça, hein. oh, voilà, bon bah il faut, il faut officialiser, puis à un moment donné, euh, il faut aussi que, et euh, eh bien les filles euh, qui ne sont pas haïtières s'en vont, parce que si elles ne s'en vont pas, comment on va faire Donc du coup quand même, vous allez essayer de faire un bébé dans le placard histoire de, euh, ma petite Esther. Normalement, t'as Alexander que t'as encore rappelé une troisième fois Il commence à légèrement m'enquiquiner, celui-ci. Il a pas envie de venir, je crois. Je comprends pas. Pourquoi tu... il veut pas venir alors qu'il y a la plus belle des filles qui l'attend et qui veut lui faire des mamours Pourquoi tu ne viens pas, Alexander Ah bah, il pleut Je sors pas de chez moi, wesh La pluie, c'est de l'acide va me liquéfier, wesh Non mais... Rappelle-le, parce que là, ça m'agace. Il ne veut pas venir Oh, je vais finir par tricher, hein, cette histoire. Hein. Regarde-moi, moi. En plus, elle est belle comme un cœur, en fait. Tout ça. Oh, Daichi. Daichi, il s'éclate. Daichi, il s'éclate. Oh, oh, oh alors. Comment ça s'est passé, les enfants, dans le placard Est-ce que petite Eva... Oh, petite Eva, elle a déjà des envies de pipi. Ça se passe super bien. Attendez, c'est bien, Eva, ici. Oui. Tu vas aller tout de suite aux toilettes, du coup. Euh... On va voir si ça a pris, hein, sinon c'est pas grave. Le petit, on va, on va lui demander tout simplement de rester. Hein. Mais va aux toilettes, pourquoi tu veux. Pourquoi ta lubie, tu sors de, du placard et tu veux mettre les couverts Non, mais là, il là, 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 y a des, vraiment un truc qui ne va pas aujourd'hui dans cette partie, vraiment. Bon, la fête va bientôt se terminer par contre. Hélène Hélène, ça va pas bien Qu'est-ce qui se passe euh, Tu vas porter un déguisement là Comment tu. Pourquoi euh, pas la Macorne, non, tu. Princesse Leia, ouais. Qu'est-ce qu'il y a Oh mince Oh mince C'est la femme de Joseph qui est décédée. Oh bah, triste vie, hein. Pire ce, ce soir-là. Alors, Eva, comment tu te sens avec, euh, avec ton amoureux, comment ça se passe Tu vas pas te marier tout de suite avec lui, on va faire ça dans les règles, hein. Ah, il y a les cousins et tout, et puis personne ne leur parle. Mais qu'est-ce que vous allez foutre dans la piscine Je vous demande, moi. C'est pas possible Mais regardez, t'as les parties se baigner Oh, et toi, tu fais quoi Toi, ça va, tu vas juste aux toilettes. Habillé en, en pseudo pop-up girl d'une autre époque. Mais, mais c'est quoi tous ces gâtales, là Ah, bah, ça y est. La fête est finie Oh, mon dieu, la fête est finie Tout le monde s'en va. Alors, ça va être un défilé de tenues improbables, et pourtant. Hein on va les regarder tous partir un à un. <laughs> Habillés comme pas possible. <laughs> <avec> des... <laughs> entre les déguisements qui ressemblent à rien les déguisements qui servent. Voilà. Allez. Ah, bah la fête est finie. Allez, on se casse tous en même temps. Hein pas de remords. Salut Daishi. à bientôt, mon petit Daishi Naou. Et puis voilà. Hein Ça aurait été sympa. Et Alexander se sera jamais pointé. Ah, il sait pas ce qu'il rate. Bon, je suis désolée, ma belle. Hein Mais Alexander, il aura jamais voulu venir. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, voilà, il est, ouais, il est à, à peine une heure du mat, ça va, tu peux aller dormir, tu as l'autorisation. Je crois qu'il y a plein de trucs de cassés, tout ça. Eux, ils vont aller faire des crapulas de là-haut, c'est très bien. Hélène, Hélène en brune, hein, ce qu'elle aurait pu donner en brune, bon, je pense que non, c'était soit cheveux noirs, soit cheveux blonds, et euh, en tout cas en brune, elle aurait pu. Ah, de toute façon, elle est tellement belle ma Hélène, hein Qu'est-ce qu'elle est belle ma Hélène Mais elle aurait été parfaite. avec toute n'importe quelle couleur de cheveux, elle aurait été parfaite. Donc, on la kiffe quand même. Il y a un gros bordel sur cette table, mais c'est pas grave. On va baisser le son, peut-être maintenant. Voilà, on va le mettre en moyen. Euh, Laura, elle, elle m'en Et après, Tiraoli, au lit. Je pense que tout le monde ira au lit. Eva, euh... Eva est en train d'essayer de fonder une famille. Donc, euh... voilà, ça va être bien. Euh, Esther, tu oh ma bichette. Qu'est-ce que tu fais Tu veux danser Tu vas manger finalement. On va retourner manger avec ta belle tenue de, de fée. Qu'est-ce que t'es jolie Ah, t'étais parfaite ce soir. J'avais jamais fait attention à leur petit gâteau euh, effrayant. Mais ils m'en ont fait des fournées là. Je vous raconte pas. Hein, J'ai que ça. C'est rigolo. Entre les fantômes, les citrouilles et les chauves-souris. C'est super mignon. En tout cas, il y aura à en manger en encas pendant quelques jours encore, hein, je pense. Bon, la soirée n'est pas finie pour tout le monde. Anaïs, ah, tu fais quoi bah écoute, quoi ça a raison, prends les gâteaux. Allez, vas-y, prends-toi une portion, fais-toi plaisir. Et après, tira au lit. Alors, les amoureux, comment ils vont Racontez une blague salace. Ce Lionel était déjà parti se coucher comme un vieux papy qu'il est. Vous allez nous finir la soirée avec un petit crac-crac aussi, vous, quand même, comme d'habitude, quoi. On va en profiter, hein, quand même. Bon, il y a tout qui est cassé. Non, mais j'ai un majordome. Le majordome que j'ai là, il est nul. Regardez. Voilà. Il préfère lire un bouquin devant la machine à laver. Peut-être qu'il est comme Daichi, un peu allergique aux événements sociaux. Et du coup, il s'est réfugié dans la cave. Il s'est dit, c'est là où il y aura le moins de monde. Mais bon, euh, t'es payé pour un taf hein, et tu le fais même pas. Espèce de gland. Allez, ça y est. Il y a l'air du crac-crac. Enfin. C'est parfait. Du coup, ben. Comme j'aime bien vous quitter sur les tours des crac crac et ben voilà, le petit crac-crac qui fait du bien. Oh, J'ai pas remarqué qu'il a été ton, surtout avec sa chambre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était une fête d'Halloween très sympa, malgré que ben, Alexander ne se soit pas pointé. Donc, on est avec Esther, on n'a pas encore pu avancer. Mais je ne baisse pas les bras. Hein. Prochain épisode, on fera le mariage d'Eva. Donc, ça risque d'être très mignon et très sympathique. Moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit comme comme d'habitude, à vous abonner aussi, à partager la chaîne. Tout ça, tout ça. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Oh Woo